Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Agnès Rebond de ce témoignage puissant. Ce que vous voyez comme mes frères et sœurs, ce n'est pas du papier. Ce sont des billets de dollars qui ont rempli la maison de cette femme, ou du moins sa chambre. Mais détrompez-vous, ce n'est pas de l'argent ordinaire. C'est-à-dire c'est du vrai argent, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'origine de cet argent qui vient directement d'un monde compliqué. Et c'est le monde des ténèbres. Voici des personnes que nous allons rencontrer ici qui vont tout simplement baptiser avec le diable pour la richesse. Et un homme ex-sataniste va nous expliquer pourquoi parfois on le retrouve dans les situations compliquées. Et il va commencer par nous dire que le diable est notre ennemi. Et si le diable est notre ennemi, nous combat spirituellement et qu'il échoue, il viendra physiquement pour nous attaquer. Et ce que nous allons découvrir ici, mes frères et sœurs, ça va vraiment nous aider à comprendre que, franchement, dans la vie, il faut vraiment être simple. Il ne faut pas envier qui que ce soit. Parce que tu cherches à envier les gens, ça va même l'origine de la richesse. Nous allons découvrir des choses hors du commun ici, mes frères et sœurs, ça va vous étonner. Si vous êtes surpris, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et vous pouvez directement cliquer sur j'aime et réagir dans les commentaires où on vous attend. Préparez-vous, ça va être chaud. C'est déjà chaud, mais écoutons. Si mon esprit a kishin dans la kuyaka, ça n'est pas ou pas. Si un sorcier te combat dans l'esprit, au moment où il échoue, il vient maintenant comme ça que tu vas commencer à le voir. Tu vas commencer à le voir même. Et ici, on va les voir, les sorciers qui viennent sur le terrain, sur place, pour faire des choses bizarres. Vous allez voir. Amen. 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 À partir de là, je fais que tu es dans ma maumbi à ville. Du coup, moi, ni de umbea, comme il a ça, non, mungu, il faut avundiquer. Vous souvenez, toi, dans la mouka, dans la télé, mouka, dans la vundique, à l'ikawa, comme hôpital, au sano, les mamans. Ou comme Congo et tout. Alors, pour une autre sorcière, j'avais prié pour elle afin qu'elle puisse se fracturer. Elle était tombée le matin. Elle avait beaucoup duré à l'hôpital à cause de cette fracture. Na ouais, comme on a fait les prières, aïe, na zambi. Toi aussi, tu fais une telle prière, c'est pas un péché. Tu, ville, qu'on a coûté, soit, na, comme mungu, on a coupé, bah, léo, moestas, on a coupé, ça, mouchanda, on est bille, bah, qu'on a fait, église, na, yambo, y, kumupa, ou ta, mupachiak, apa, ton, bah, la moukiak, ninja, ton, a, bille, bah, qu'on a fait. La manière dont ils sont en train de nous faire souffrir, si Dieu pouvait nous amener en esprit, afin que nous puissions voir ce qu'ils font dans leur monde, tu ne vas pas les aimer, même la mère, tu ne vas pas leur donner ça. On a joué, mou, lubumbashi, comme, qu'on est dans mon bel air. Vous savez, à lubumbashi, quand vous vous dirigez vers bel air, comme, on a fait, comme, tunnel. Quand tu arrives au niveau du tunnel, vous voyez un papa qui dormait avec une bande noire sur les yeux. C'était lui le premier sponsor de Pépé Calé. C'était la première personne à avoir amené Pépé Calé en Europe. Mais qu'est-ce qu'il fait dans les égouts là-bas s'il a déjà amené quelqu'un en Europe? Il avait beaucoup d'argent, mais son argent venait du monde des ténèbres. Oh. Hein? Il avait beaucoup d'argent avant, mais son argent venait du monde des ténèbres. Sérieux? Mais que s'est-il passé pour qu'il se retrouve dans la pauvreté ou encore dans les égouts? Alors si ça, on lui avait donné une condition, à 21h avec ton argent, tu ne dois pas donner ça à quelqu'un. Ça c'est la condition qu'on lui avait donnée. Donc quand tu arrives chez lui et que tu as besoin d'argent, s'il est 21h, à partir de 21h jusqu'à minuit 6h du matin, il ne peut pas te donner de l'argent. Tu as laissé nous quoi? Il dit que l'argent qu'on obtient de Satan a des conditions. C'est exactement ça. Mais à quoi on a tumi kasana na franga ya ke? Il travaillait beaucoup avec son argent. Wakati moya mu Paris, Pepe Galère, quoi mu concert, mu salle moya mu Toulouse, mu salle moya ivi. Dans une salle à Toulouse, Pepe Galère était en concert, c'était la nuit. Et moro richeza kasana le papa richeza. Kafu le papa njolo bariko na ita sima Janzenza. C'est lui qu'on appelait Janzenza. Il avait donné de l'argent à Emoro. Et arrivé chez lui à la maison, il a trouvé les serpents qui lui donnaient l'argent par terre. Maintenant, diable a punition. Le diable lui avait donné une punition.
Pendant la journée, il devait être fou. À partir à 1h du matin, quoi, mujim. À 1h du matin, il devient normal. 5h du matin, quoi, mujim. À 5h, il devient encore fou. Jo maisha la kwa kanayo. C'est la vie qui menait. Ça ça parle patinel bari mu pointa ka anze ku récupérer franga ya bantu ya ranza kolomba makuta par force. Wa 1000 francs, wa 5000 ukimpe kaloko anakuchambula. Au niveau du tunnel là-bas, il a été placé juste pour commencer à bloquer les finances des gens parce que il demandait l'argent par force. Quand tu lui donnes peu, il t'injurie. Amen. Amen. Mulozi anasema unampatia makuta na kublokea pana. Ainsi aussi c'est pas quand tu lui donnes l'argent il va te bloquer non. Lakini ule ni mission bari mupatiaka. Celui-là c'est une mission qu'on lui avait donnée. Bushiku ile makuta libeba ya bantu yote kama nipeleka mu monde mystique beko ni multiplier na kwa ya mingi na baum d'affaires beko nenda kumkongola makuta. Alors la nuit quand devait amener cet argent là-bas dans le monde des ténèbres on devait multiplier ça et même les hommes d'affaires allaient s'endetter chez lui. Il a imposé, je donne-moi seulement 5 000 et d'autres personnes donnaient même l'argent qu'on lui impose. Alors beaucoup de gens m'ont donné raison parce qu'ils ont donné leur argent à ce type là-bas. Ils m'ont dit, frère Paul, vous avez raison, ce type là-bas c'est un sorcier et il fallait le délivrer pour qu'il soit délivré. Il est une mission, Shetani et moi, Mupatiak. Ça c'est la mission que le diable lui-même lui avait donnée. Vous avez vu sa mission? Le matin il est riche, la nuit il est pauvre. Et il demande de l'argent aux gens. Ça alors. Vous voyez, la nuit il est riche, le matin il est pauvre. Et il demande de l'argent aux gens. Ça alors. C'est ce qui se passe. Et il bloque la richesse, la chasse des gens. Et pour cet argent que vous lui donnez là, il va avec dans le monde éternel pour qu'on multiplie. Amen. Amen. Mena nilipataka nduku moya, Mathieu, alikuwaka businessera, anaanza kujishaka masentire, malinette, mabinto kwa chana chana, muvile tu ya Lubumbashi. J'avais tout fait un frère qui s'appelait Mathieu, il était en train de vendre les ceintures, les lunettes, beaucoup de choses. Ule nduku anaanza kuona benzake bali alikuwa anafana boile makaji, bako napanda meyashi pande. Il voyait que ses amis avec qui travaillaient ensemble évoluaient, mais lui n'évoluait pas. Alikuwaka na besoin. Il voulait maintenant amener la femme à la maison, mais l'argent lui compliquait un peu. Alors je ne sais pas la personne qui l'avait envoyé chez moi en lui disant que j'invoque les esprits. À partir de 18h30, quand il y a une invocation, mon quartier va être en train. Alors à partir de 18h30, quand j'entre dans mes invocations là-bas, dans le quartier, les gens sentaient qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses. Quand je cause avec les esprits, les gens sentaient ça. Ils sont en train de faire beaucoup de travaux, mais je suis toujours bloqué. J'ai besoin de beaucoup d'argent. J'avais sorti mon livre. Ici, nous avons deux chemins. Alors, le premier chemin, si tu veux travailler avec ton intelligence, et le deuxième, si tu veux le sang. Je vais travailler avec mon intelligence. Va acheter 1000 papiers duplicataires. Il avait acheté ces papiers, il a amené ça. Alors prends une feuille, va voir un acolyte qui puisse prendre, donne même lui de l'argent, qui puisse prendre la feuille et mettre là sous l'autel. Et après le culte ou après l'homélie, tu vas récupérer ça et tu m'amènes ça. Panapita mwezi moya bule. Un mois après, anafanya le tour alipataka kolitsi mwana mulipa franga anaenda kumwekea yo pale chini. Il avait trouvé un acolyte à qui il avait donné l'argent et on lui avait fait ce qu'il avait demandé. Unajoka mumpe kama naingia kule kusheri hapo kule pale baninclinaka na busu anakalaka kuna busu ni pa os pa mufupa ya bale batakatifu babo ba zamani bale bashakufuka kufuka. Donc mumpe wote kama nakufa banatoshaka ko os moya banaiweka. Alors c'est comme ça que quand vous voyez un prêtre entrer dans l'église avant de commencer l'homélie, il a tendance à s'incliner sur l'autel. Il y a un os, c'est là qu'il s'incline. Parce que chaque fois qu'un prêtre meurt, on prend une partie de ses os, on met ça quelque part. Je lui avais demandé de mettre ses papiers là-bas en dessous. Au moment où la messe devait se terminer, qu'on amène ses papiers, je vais te dire ce que tu dois faire avec. Après messe, on a il était à il est papier. Après la messe, il avait amené ce papier là-bas. Na monesha apa tafuta ko muntu mwa wa nguvu bien wo munyewe. Mwende ku morgue.
Mwende ku cimetière des anges kule banajikaka tubishi tuba bébé mudetere ko cercle mo akabishi kwa na ile cercle na ile dra yake paka vile. Alors tu dois chercher quelqu'un qui est très fort où tu peux y aller toi-même dans le cimetière des anges, là on enterre les prématurés. Va déterrer un cercueil et tu viens avec ça tout seulement comme ça. Wakati ananileta ile cercueil mimi namwambia sema hapo tafunga roho juu tunataka kujiadresser kwa ule demo mamo mais munya taleta hii makuta ni huyu mtoto alikuwa mu cercueil hapo utanionyesha kama ni damu yako ou bien kama ni akili yako. Alors je lui avais demandé maintenant tu dois être fort parce que je vais invoquer maman. C'est lui qui va donner l'argent, mais l'argent va commencer à sortir à partir de ce bébé que nous avons ici. Maintenant, parle-moi franchement, si tu as, c'est à travers ton intelligence ou à travers les sangs. Lui avait seulement insisté à propos de son intelligence. Il avait demandé de payer Ousarabi, c'est un parfum, il avait acheté, il l'a amené. La nuit, on avait allumé les bougies et les tchoulaï. Mais wakati tunaanza prière. Au moment où on avait commencé la prière, parishukaka esprit moya, mimi kuna mona na macho lakini yashimo niko na mukomunike kuna mwambia sema kama unapenda damu hii franga haitaishaka na haitakuwa ya condition hata moya lakini kama unakatala damu hii makute itakuwa na kuservir shiku moya kesho tena unatosha ngine na kuservir shiku moya ndio vile itakuwa natumika. Alors il y avait un esprit qui était descendu, moi je voyais l'esprit mais lui ne voyait pas l'esprit. L'esprit est en train de lui expliquer ceci. L'argent que tu auras, si tu veux, si tu donnes le sang, l'argent ne se terminera jamais. Mais si tu veux travailler avec ton intelligence, c'est l'argent qu'on va te donner à une condition qui doit terminer dans la journée qu'on te donne. Le lendemain, tu demandes encore une autre somme. Les choses du diable arrivent rapidement. Aujourd'hui, quand tu as besoin de l'argent, tu as cet argent. Tu n'as pas prié. On avait commencé à prier. Au moment où on faisait la prière, il y avait la fumée qui quittait les cercueils. Et tous les papiers là-bas s'est transformé. L'esprit est descendu pour la deuxième fois et lui dit ceci. C'était à 9h qu'on avait fait sortir ces billets. À partir de alors, à partir de 21h, tu ne dois pas te retrouver avec l'argent que je te donne. N'achète pas un habit, n'achète pas quoi que ce soit, ça ne va te servir qu'à manger et boire. Si tu veux le sang, alors, si tu veux, cite seulement le nom de quelqu'un de ta famille. C'est comme ça que tu auras l'argent comme tu voudras. Tu peux te payer une maison, tout ce que tu voudras, parce que c'est son sang qui va purifier cet argent. Il avait vraiment refusé de tuer quelqu'un. Il avait pris son argent et il a commencé l'ambiance. Il avait beaucoup travaillé avec cet argent. À 21h, il n'avait plus rien. Et notre quartier avait vraiment bougé. Après quelques jours, il avait encore demandé une autre somme. Le travail, l'argent avec lequel il pouvait acheter quelque chose, c'est l'argent qu'il obtenait avec le travail qu'il était en train de faire. Mais l'argent qu'on lui donnait dans le monde de la société, juste pour la distraction et l'ambiance. Si tu essaies seulement d'acheter avec l'argent que nous te donnons, quelque chose, tu risques de mourir. Il avait fait une année, il s'amusait seulement avec l'argent. Il n'avait même pas donné un franc. Et je savais qu'à la fin, l'argent devait demander quelque chose. Heureusement que Dieu a pitié de ses enfants. Il y a des gens que Dieu a déjà choisis depuis longtemps. Il peut entrer même dans la sorcellerie, il fait n'importe quoi, il ne va pas mourir. Un jour, il avait demandé l'argent à 6h. Donc il faut 18h. Il devait terminer l'argent à 18h. Alors il avait constaté qu'à 16h, l'argent ne bougeait pas. Quand il fait une telle dépense,
L'argent, il avait comme l'impression que l'argent augmentait. 17h, on a remarqué Frank et Kopaka Fila, n'a quoi quoi nous ça c'est qu'on a rien na machose. À 17h, il avait constaté que l'argent était toujours comme ça et il venait vers moi en train de pleurer. Na mina mujibu hapa mita fanya je. Et je lui avais dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Anarudia kwa boku nyumba naanza kulia. Il est rentré chez lui à la maison et il pleurait. 18h moins. À 18h moins. Kama ni akili kanilimubambaka na bamba pa kile sac mbio. Yeye ule anaanza kukimbilia kwa pasteur moi. Alors je ne sais pas quelle intelligence qu'il avait touché là puis le sac où il y avait l'argent, il s'est dirigé vers un pasteur. Heureusement, ule pasteur ni mtu alitwaka na Mungu. Anafika munyumba yake anilitupa kumikulu, anaanza kulia papa uniombe. Ule pasteur mbele anashituka muombe bintu kani. Sasa diable naye anafungula ule esprit, anaanza kwa kumtafuta njia kumumeza. Mais on a kuta nyumba ile kuna reone utukufu ya Mungu anashimamia nchi. Twitter trans inaenea na kuenea ule mtu akufu me anongopa kutoka munyumba. Saba anaanza prier. Shimogo anaanza kutoka mule musaka makuta yote napotea mume na kwa maivu. Alors heureusement que le pasteur là-bas c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Au moment où il est entré dans la maison et le diable avait envoyé un démon pour avoiler ou tuer les types là-bas. Quand le démon s'est approché de la maison du pasteur, il a vu la gloire et la lumière de Dieu. C'est comme ça qu'il n'a pas su s'approcher. Et à 18h30, l'homme était toujours dans cette maison là-bas, il ne voulait pas sortir. Et quand le pasteur a commencé à prier, il y avait la fumée qui quittait les sacs et à la fin c'était les cendres. À la fin de la prière, le pasteur lui dit, pas, tu peux maintenant rentrer, je ne veux pas rentrer père. Il veut seulement passer nous ici parce qu'il savait la chose qui pouvait l'attraper. Il a commencé à expliquer au pasteur tout ce qui s'était passé. Il lui a tout expliqué. Il avait fait 7 jours et il passait nuit seulement chez les pasteurs en craignant de sortir. Église, diable n'est pas méchant. Comme si on libérait ou l'esprit des morts en attendant de pas exécuter. Il est vraiment méchant, les diables. S'il a déjà libéré les démons là-bas de l'esprit de mort. Avant que les démons ne puissent rentrer, il doit d'abord accomplir sa mission. C'est de cette manière que l'homme là-bas a été sauvé. Mon patron avait quitté pour aller à Cape Town en Afrique du Sud pour le repos médical. Après un mois, je vais faire appeler quelqu'un qui doit me garder là-bas. Alors c'est là qu'on devait tous mourir, tous les gardes du corps, parce qu'on enviait vraiment ces pays et les frais d'émission, c'était vraiment beaucoup d'argent et tout le monde voulait aller là-bas. Vous allez à l'église pour suivre l'abbé. On avait beaucoup causé avec lui. Et ces jours-là, on avait passé la nuit dans le monde des cimetières. Quand tu vas dans le cimetière de Sapin Lubumbashi ou Likasi, na cimetière à Kintambo ya Kinshasa. Et le cimetière de Kintambo à Kin. Il y a des tombeaux où on enterre les blancs. Il y a toujours une étoile et puis on écrit Daniel. Il est sataniste bale banafaka voyage astral ya kwenda mu monde mu strong barikaka ile signe panika mu lango ya bo kwenda mu ile monde. Alors partout on trouve cette de tel tombeau. C'est pas qu'on avait mis quelqu'un là-bas, ce sont les satanistes qui ont mis un signe là-bas afin de faire leur voyage parce que c'est là qu'ils se trouvaient leur porte. Vous savez que ce monde, les musiciens chantent même pour ce monde là-bas. Les musiciens adorent ce monde, ils chantent pour ce monde vraiment, et on ne le sait pas. Explique-nous s'il te plaît. On a déjà un musicien moi, banamu itaka sema nyoka longo wa Zaiko. Il y a un musicien qui se nomme Nyoka Longo de Zaiko. Kumuimbo moi rimbake rivumaka sana wakati moi hivi. Il avait une chanson qui avait fait vraiment, qui avait des fureurs à un moment donné. Kama beko naimba, ikafika musolo wananza kucheza. Et quand il chantait, arrivé au moment où il s'était vraiment très bon, il commence à danser. On a parti, moi, on a capté la musique. Bote, on est pas dans mon sululu, on a dansé avec Massa. Tokolanda, Daniel, on a eu beaucoup de mouimbo. Vous vous rappelez de cette chanson? Utona mumabare bantu barashuka chini beko na cheza tokolanda Daniel. On a eu pourquoi dansa kuimbaga vivi? Vous savez pourquoi il chantait comme ça? Ule Daniel a dansa kutayaka, manake ni prince de ténèbres, enjo na kalaka na clé, akwenda kumonda mu strong.
Alors c'est un prince des ténèbres, c'est lui qui a la clé qui permet d'aller au monde d'Armstrong. Vous vous rappelez de cette chanson? Les gens ne savent pas ce qu'ils voulaient dire là-bas. Je vais maintenant expliquer cette parenthèse. En 1983, ils étaient à quatre. Ils sont allés en Angola pour voir un marabout. Alors on leur avait donné une chèvre qui devait enterrer devant leur bureau, et la condition qu'on leur avait donnée, chaque trois mois après, ils devaient chercher une femme qui devait égorger et déverser son sang sur le lieu où ils avaient enterré la chèvre. Moi, tout ça à cause de l'argent, à cause de la richesse. Mes frères et sœurs, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas bloqué, s'abonner, s'accroche maintenant. Le témoignage, puissant 391, nous dirons sur le sujet. Nous pousserons ce témoignage, ça va être vraiment chaud. Si vous n'y en serez pas mal.